On n'est pas chouchou quand même, hein, pour cette tapenade de chou-fleur, chef Guillaume. Alors, par quoi tu commences? Là-dedans, oui, c'est là-dedans. Quoi? C'est du chou-fleur écrasé. Ok. Donc là, on le travaille. Voilà. Mais on peut prendre du congelé aussi si on veut. Ah ouais. Donc genre, là, voilà. Pratique. Comme ça, voilà. Donc là, on verse tout. Hop. Donc là, il y a 3 bonnes cuillères à soupe de crème fraîche. Voilà. Donc là, on écrase bien encore. Et ensuite, après, on va continuer à mettre les ingrédients, voilà, surtout les arômes. Alors là, j'ai de l'estragon. Voilà, donc on peut mettre aussi un peu. On fait un peu comme on veut au niveau des, voilà, c'est ça, des goûts. De l'ail, de l'ail, histoire de relever un peu tout ça. Il y a 2 gousses d'ail, c'est ça? C'est ça. Du thym? C'est ça. C'est ça. 2 pincées? Le jus de citron, à ne pas oublier. Je mets tout? Allez. Allez, on est fou. Et un petit filet d'huile d'olive. Un peu de sel, un peu de poivre? Oui. Alors, la tapenade, c'est l'accent issu de la tapenade. Tu sers ça à l'apéritif? Sur des toasts. Sur des toasts. C'est quelque chose aussi qu'on pourrait faire en entrée. Exactement. On peut servir le mousse. Un peu, un peu comme de ça. Ouais. Allez, à la volée. Et en fait, ça y est, c'est prêt. Et là, voilà. Là, c'est prêt. Donc, c'est super rapide à faire, j'avoue. On goûte? On goûte. C'est parti. On sent les épices, c'est très bon. On sent bien les épices, en effet le citron, ça donne un peu de peps au chou-fleur, parce que le chou-fleur ça peut être un peu fadouille comme ça, l'ail et tout. Nickel, alors moi je vois ça, tu sais, tremper des petits légumes, des petites crudités. Petites carottes, petites courgettes, c'est nickel. Ouais, accompagne ça avec un guacamole, mon avis, c'est pas mal. Allez, guacamole, c'est dans quelques instants.